Bonjour mon fils. Bonjour. Ça va? Et toi? Oui. Bonjour. Mon fils, il me fait mon café là. T'es T'as la machine mignon, à café dans la chambre. hein. T'es trop mignon, hein. Bonne cuillère. Come, sit down, sit down. Okay, very good. Sit down. What's that, Dior? Coucou les filles! Ça va? Ouais, vous êtes trop belles. Alors, vous allez aller au concert de Beyoncé? Quoi? Oh mon Dieu, mais bébé, je suis choquée. La copine de ma mère, elle a acheté les places de Beyoncé. Et en fait, c'était un site frauduleux, donc c'était des fausses places. Ils ont copié le site Orange Vélodrome. C'est trop grave. Tu as porté plainte, Somaya? Mon Dieu, les cons. Hello mes petits bébés, j'espère que ça va. Bah écoutez, moi ça va, là je viens de faire ma petite toilette. Je viens d'être indisposée. Je déteste les hormones, je suis allergique aux hormones. Je jure, je supporte pas quand mon corps il a des hormones. J'aime pas, j'ai l'impression que je suis bipolaire et tout. Je reste à la maison, aujourd'hui j'ai du travail. Il fait pas beau à Marseille, je comprends plus le temps. Là, il pleut mes bébés. Faut pas comprendre. Non mais en fait le temps je le comprends plus mes petits bébés. Ah, il y a Romana qui m'a envoyé un message. I miss you too. How are you now? Je l'aime trop. Ah oui, il a plu hein. Ah il pleut. Je comprends pas. En tout cas j'ai bien bronzé. Ça s'enlève mais à ce qui paraît ça fait trop mal mais moi ça me dérange pas. Mes bébés, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois. Je suis trop dégoûtée. J'avais une brosse bleue. Je l'ai perdue. Je sais pas dans quelle voiture je l'ai laissée. Et voilà, du coup, heureusement que j'ai celle-là. Parce que moi, il me faut des brosses souples. Vu que j'ai les extensions. Bref, faut que je raconte un truc. Un jour, c'était il y a 2 jours, je vais sur mes identifications Instagram. Et je vois quoi? Je vois qu'un chirurgien. Il a mis la photo de mon ventre. Écoutez bien. En fait, je vous avais mis une photo de mon ventre sur Snap et même sur Instagram et en disant que j'ai des abdos et tout. Et donc le chirurgien, un chirurgien que je ne connais pas, un chirurgien esthétique, il reprend ma photo, il me tague et il écrit, alors pour avoir ce ventre, oh non, j'ai perdu une extension. Bref, il écrit pour avoir ce ventre, elle a subi une abdominoplastie. Maintenant, c'est pas vrai. J'ai sur la vie de ma mère, sur le bon Dieu, que le bon Dieu m'enlève tout. Donc, moi, j'ai jamais fait cette opération, jamais de la vie. La seule chose que j'ai faite, c'est une lipo, il y a 5 ans, et puis c'est tout. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, mais dites-moi, vous êtes sûr que vous êtes chirurgien? Parce que si vous êtes chirurgien, ben, vous verrez que j'ai pas subi ça. Tellement, je monte mon ventre et tout, que je suis pas cicatrice. En gros, c'est une opération où on te coupe la peau et tout. Bref, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, il s'excuse et tout, nanana. Il me dit, attends, je vais modifier, je sais pas quoi. Mais en fait, d'où il se permet de prendre mon ventre et de dire quelle opération j'ai subie, alors que c'est pas mon chirurgien, quoi. Il m'a jamais opéré. En fait, tout ça, parce que mon ventre, on le reconnaît avec mon tatouage. Tout ça pour se faire de la pub. Vous imaginez comment c'est trop grave. Qu'ils prennent ta photo pour faire de la publicité.
Et ça, je peux pas tout le temps le vérifier. Là, j'ai eu de la chance parce que ben, il m'a identifié, donc j'ai pu voir. Mais s'il m'avait pas identifié, ben, jamais j'aurais pu le savoir. Et c'est très très grave en plus. Mais voilà, tu m'as trop vénère, je voulais vous raconter. Fils, il est rentré, il a fait coupe. Faut voir, ils sont beaux tes cheveux, relâche. Machallah. Avant, mon fils, il faisait tout le temps le def. Ça puait. Bon, manger, il t'a manqué. Oui. T'as crocrofin, mon fils. Je vais le faire. Mais viens m'aider. Ouais. Commence pas. On dirait pendant le premier confinement, quand on faisait les recettes. Non, mais là, en fait, j'ai vu une recette de crevettes, de pâtes aux crevettes. Sur TikTok, ça avait l'air trop cool. Je vais essayer de la refaire. D'abord. Il y avait plein de crevettes décortiquées, je lui dis, elle est décortiquée et tout. Non, elle m'a fait prendre les crevettes pas décortiquées et pas cuites. Oh, ça sent mauvais, hein. Ok. Alors. Il faut quoi? Il faut les couper. Tu sais faire? Aide-moi. Ah non, moi, je touche pas, je peux vraiment pas. Je vomis. Donne-moi un bol alors. Aïe. C'est pas grave, je vais le faire. Un bol. Après, faut la faire cuire la carcasse pour la sauce. La sauce. Faut enlever la caca. C'est caché. Faire des pâtes au beurre. Regardez mes bébés, j'ai tout découpé à la main. Ça sentait trop mauvais. Regardez, là il y a les crevettes, les intestins. Là, il faut mettre de l'huile d'olive avec la carcasse. Ensuite, il faut mettre l'ail. Il faut faire revenir. Mais pourquoi elle s'écrase pas l'ail? Après, il faut l'écraser. Et là, dans la casserole, j'ai mis du beurre, de l'huile d'olive, un oignon et deux gousses d'ail. Là, ça cuit. Et là, on va faire les spaghettis. Et ensuite, il faut rajouter les crevettes. Et ensuite, vous rajoutez du sel, du poivre et ensuite ça, le jus là, faut le verser dans ça. Et là, j'ai mis les pâtes, j'ai mis des pâtes fraîches. Par contre, je peux pas faire les deux en même temps. Ensuite, ça, le jus. Et là, ça fait ça. Ensuite, on met un peu de crème. Déjà, là, je rajoute du persil comme ça. Ah, et il faut mettre un peu de citron vert. Mon fils, il goûte. C'est bon. Mon fils il goûte. C'est bon mon fils. Toujours avec ses chips. Trop trop bon. On dirait au resto ou pas? Ouais mais les pâtes, faut que j'arrive à faire aller les pieds en fait. Mais c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors c'est bon? Je me régale. Oh. Trop bien. Ça fait plaisir, hein. T'as vu, je cuisine pas tout le temps, mais quand je cuisine, je sais, hein. Franchement. Alors, c'est... Les filles, j'avais plus de vêtements, donc j'ai passé... Bon, mes bébés, ma mère, elle a disparu, je comprends pas. Bref, là, on va aller voir ma tante. On va chez elle. Alors, oui, je sors en pyjama. La dernière fois, je suis partie acheter le pain en pyjama. Et on m'a traité de clocharde, parce que je sors en pyjama. Alors, je vous explique. Si vous voulez, je suis la plus grande des clochardes. Voilà, franchement, je vous souhaite d'être une clocharde comme moi. Et j'aime trop sortir en pyjama. C'est comme ça, j'aime trop. J'aime trop les pyjamas Primark. Et j'aime trop sortir en pyjama. C'est ma vie, je pourrais passer ma vie en pyjama. Mes bébés, moi, j'ai surpris Akram en train d'entrer des messages. Moi, je vous explique. Avant, je le faisais, maintenant, je le fais plus. Ouais, j'en ai rien à cirer. J'ouvre ou j'ouvre pas. J'en trouverai pas. Voilà, si j'ai pas envie de voir ce que vous avez à me dire. Et bah, c'est la base d'entrouvrir. Non, je m'en fous. Bah, je reprends en fait. Screen. Ouais, c'est bon. En plus, screener, ouais, et quand il faut screener, je screen la vie de ma mère. Je quand screen. Normal, je screen. Et aussi, avant, j'avais des fakes pour espionner, pour regarder, je sais pas, des gens que j'aime pas ou quoi. Et ben maintenant, je le fais avec mes réseaux, voilà. J'en ai rien à cirer. Toi, là, toi, t'es un petit hypocrite. Moi, je screen avec ça. Des fois, les gens, ils m'envoient des photos éphémères, sauf qu'en fait, éphémère, ça n'existe pas. Moi, je oh non, il m'a ragale. Je monte derrière. Mais avance là. Aïe. T'as vu, je vais te taper. T'as vu? J'arrive pas à avancer le siège. Putain. Allez, ouvre. Oh, pousse.
Ça va, il tombe. Mais bébé, j'ai pris la meilleure place. Je suis montée derrière, comme ça, je pourrais bien le prendre à coup de 5 francs. Ah non, non, bah je monte derrière aussi. Non, il n'y a pas de place. Non, c'est ma place. Chanel. Monte Chanel. Non ? Ah oui, voilà, c'est la place de Chanel et moi. Voilà, je vais t'envoyer Chanel. Monte. Fallait vraiment pas me laisser derrière. Hein. Qui c'est qui a pris la meilleure place ? Pousse Chanel. Touche-moi. Vas-y, touche-moi. Vas-y, touche-moi. Maman, frappe-le, il me fait comme frapper tout à l'heure. J'ai tapé la tête. On va faire un accident. Les enfants. Arrête, maman, tape-le, s'il te plaît. Ouais. Elles sont où les clés de la voiture ? Elles sont dans ma poche. Bah, comment tu veux que je démarre ? T'as les bips ? J'ai les bips. Aïe, vas-y, non, j'ai pas, aïe, j'ai pas assez de place derrière. Non, mais tu mets pas comme ça. Non, je mets comme ça. Non, elle met pas non, comme si ça. Non, si on fait une accident, je mets comme ça. Tu as plus de jambes. Tu plus des pieds. Menteur. Ah, oh, le menteur. Attends, ils ont fait m'insérer. Maman, tu as vu comme il ment. Maman, c'est moi que je sens. Maman, c'est des menteurs. Sur le bon Dieu que c'est des menteurs. Je jure sur le bon Dieu, c'est pas vrai. Je ne pue pas des pieds. Pourquoi tu as une bande? Je sens la crème des pieds, voilà. La quelle crème? Tu mets pas de crème à les de pieds. Ah, de ouf, tu mens. Ah, tu me dégoûtes. Commence pas. Bah, il va. Aïe, ouille. Bah, tu vois, je te remarque. Tu vois, tu fais. Aïe. Commence pas. Je comprends pas, regarde la route. Non. C'est le voyage, je vais se faire en tête à tête. Non, ma chiche. Mais après, je vais mourir, je vais attraper le cancer. Et après, tu vas pleurer. Menteur, ah si je meurs, tu pleures pas. On n'y est pas là encore. Mais là, si. Et t'as mis sur le premier étage. Non. Tabou. Non. Son face. Non. Toi et moi. Oh, la première. Aïe. Maïva. La tête de ma mère, Maïva. Mais regarde la route. Non, mon fils. Regardez comment il se pose. Parce qu'il sait que je veux le hagal. C'est qui hagal qui est putain. C'est moi. Waouh. Ouille. J'ai rien à foutre. Mais moi aussi là. Mais ça, on va faire l'accident. Aïe, ouille. Ah, la croûte. Dis encore que je pue des pieds, tu vois. Non, non, ouille, ma claquette. Ah. Maman, dis-y, me rends la claquette, s'il te plaît. Il y a un coup. Aïe. Oh, tais-toi. Maman, mais devant moi. Mais putain. Aïe, aïe. Je te jure, je vise la tête. Je vise la tête. Mais ah, tu fais quoi? Tu fais quoi tout à l'heure? Au lieu de viser les jambes, les potes au monde, ils de viser la tête. Mais là, arrête de vous faire un c'est ça. On fait la paix, c'est bon. Je suis désolée. Non, tu voulais t'embêter. Je te jure, sur le bon Dieu, je fais la paix avec toi, je te fais ça. Je t'aime, ma vie. Moi aussi, je t'aime. On fait la paix, c'est bon. Oui, on fait la paix. Mais j'ai peur de toi. C'est bien, moi, j'ai peur de toi. Toi, tu me hagales. Oh, ma vie. Achala, tes chaussures vont faire ça. C'est les chaussures d'Ahlène. Achala. Bon, mes bébés, je suis arrivée chez ma tante préférée. Tata Bina, la plus belle. Bon, là, elle est KO. Avec mon mec ? Mais c'est la plus belle du monde, ma tante. Bon, mes bébés. Mon fils, il est parti acheter des choses. Il était vraiment long, hein. Quand je pars, il me dit t'as réglé ? Bah oui, j'ai réglé. Comme. Ah ouais, t'as une chambre ? Ouais. De détention, il a vu le terroriste. Avec ma mère. Elle a la tête de ma mère. Ah, j'ai le Nutella. Je t'en fous. Regarde ce qu'il a fait. Regarde, il vient de s'essuyer sur moi sur le bon Dieu. Elle, les abus, je m'en fous. Mais maman, c'est toi qui fais la lessive. On s'en fout, ça. T'inquiète, j'ai deux clés pour nettoyer. Mais pas la voiture, ça me fait chier. J'aime pas la voiture. Je m'en fous, j'ai envie de me toucher. Oh, tranquille. Regarde, je te tourne. Mais regarde devant. Non, t'es zéro. Non, mais regarde pas devant. Moi je te dis, tu sais la voiture, je suis la félicité. Mais regarde devant mon amour. Starfella. Ouais, je te dis, ouais. T'es beau ma vie. Ouais. T'es le plus beau du monde. Ferme-la, je me vois. Ok, je la ferme. C'est bon les choureuses? Arrête d'observer. Au Jade, tu te calmes. Hein? Au Jade, tu te calmes. Quoi ça? Jade me dit ça. Mon fils. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Là, on sait ce qu'elle fait, Maïva. Coller un autocollant Apple. Vous voyez la pomme là? Et alors? C'est la honte. On colle l'autocollant Apple ou? Apple ou... Mon
fils. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Sniff, sniff, ma vie. Sniff, sniff. T'en vas pas. Ne retiens pas tes... Tu bien. Sniff. Sniff. Mon fils, t'as remarqué un truc sur mon visage? Regarde bien. Un truc qui a changé. T'as bronzé? Non. Un truc que j'ai en double. En double? T'es quoi en double? Quoi? J'ai un truc en double. T'as un truc en double? De quoi? Je cherche! À part tes queues de sourcils. T'as la ref. T'as des queues de sourcils. Bon, mais bébé, je suis triste. Akram, il s'en va, il retourne à Saint-Tropez. Oui. Je t'ai dit, je reviens. Tu sais, t'es à côté maintenant. T'es à 2 heures. Je pleurais. Mais non. Je pars. Oui, que toi. Je sais pourquoi, parce que j'aime que toi. Parce que t'es mon soldat, t'es mon meilleur allié. Je vous jure, quand j'ai Akram dans ma vie, j'ai besoin de personne d'autre. Même un mec, je m'en fous, j'en veux pas. Un mec. Oui. Même un mec. Mmh. Je veux que Akram. Je t'aime trop. Je reviens la semaine prochaine, ça y est. Je reviens à tous mes off. Vous savez à quoi quand je pensais... On parlait tout à l'heure. On parlait de un moment quand il travaillait pour moi encore. Ouais. genre j'avais une DA directrice artistique. Écoutez bien. Et genre c'était la mode de faire des réels et tout. Elle m'apprenait à faire des réels. Moi je savais pas trop, j'étais une snapchatteuse. Et bref, je faisais des réels pour tout et n'importe quoi. Ah, elle me fait chier avec ses réels. Je vous jure, je le rendais des fois juste pour faire à manger ou rentrer dans le van. Elle me disait fais-moi un réel. Elle faisait des réels pour toi, elle était matrixée. Parce qu'elle me disait ça à la mode. Et tout, faut que t'apprennes à faire les réels comme la datagrammeuse. Bon, faut pas me dire ça à la mode, sinon je veux. Chaque étape de la journée, c'était réel, réel, réel. Je voulais faire des réels toute la journée. Voilà, je faisais plus de stories comme ça naturelles, c'était que des réels. Des réels, réels. Bon, maintenant, je sais faire les réels. Bref, je suis triste, mes petits bébés, j'aime trop Akram. Évidemment. Je suis triste. On dirait, ça fait genre un mois que je suis avec lui. En fait, on a fait tellement de choses que. Ouais. Qu'en fait, on dirait que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais bref, tout le monde me dit de me snapper sans filtre, mais j'arrive pas. J'aime trop les filtres, me lâche pas de filtre. Mais bref, tout le monde me dit de me snapper sans filtre, mais j'arrive pas. J'aime trop les filtres. Mais bébé, pour de vrai, je veux pleurer. J'aime trop Akram. Genre, quand j'ai Akram dans ma vie, j'ai besoin de rien d'autre. Genre, j'ai plus besoin de personne. Je l'aime trop. Qu'à chaque fois qu'il s'en va, je pleure. Tellement que je l'aime. On est trop complices. Genre, on a trop le même délire et tout, on est des gamins. Bref, je suis triste. C'est mon fils. Arrête de pleurer. Moi, je pleure quand tu rigoles, tu trouves le sourire. Ma vie, arrête de pleurer. Oh, je t'aime. Mais je reviens la semaine prochaine, y'a quoi? Ma vie. Je sais que tu m'as trop manqué. C'était trop bien, là, ces 2 jours. Vous savez, on a dormi ensemble et tout. Ma vie. C'était trop, trop bien. Est-ce que toi, tu. T'es mon soldat. C'est trop bien, t'en fous. J'aime que Akram plus. Non, je vous aime aussi. Mais je préfère Akram. En fait, j'aime tous mes amis, mais Akram plus parce que. Parce qu'on a une relation très spéciale, on est très fusionnel. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est la seule personne au monde avec un regard, on se comprend. On a les mêmes délires, on s'amuse. Mais y'avait qu'un crâne. La semaine prochaine. Dans 7 jours. C'est long. Je veux venir travailler chez Dior. Je veux venir travailler chez Dior. Avec toi, si je suis avec toi, oui. Fais ton CV. Je suis avec toi dans ton CV. Influenceuse. De 2018 à 2023. Influenceuse. Allez. Ça va. Voilà que maintenant il se moque des talents de ma mère. Je vais les mettre pour te faire rire parce que toi et moi on est un binôme trop drôle. Et toi tu sais qu'on clash qui de base?
On adore clasher les gens, on s'en fout, nous. Voilà, j'ai mis les talons de bain. Avec qui tu vas rigoler comme ça? Je suis tout seul à Saint-Tropez, il n'y a personne qui peut rigoler. J'ai mis les talons, regardez. Des talons comme ça. Talons bobine. Je m'en fiche, ça m'a... Non, qu'est-ce qu'il y a, hein? Et moi, je vais mettre celle-là. La route, tu auras des monstres, il est minuit. Tu t'en vas pas, mais c'est moi, je décide quand tu vas, tu m'abandonnes. Non, mais il, y aura des... il est 22h, j'ai 3 heures de route. Non. Il y a des monstres dans la route. Heures. Et alors, la route, elle est comme ça. Il n'y a pas de monstres. Moi, si, je suis pour toi, t'inquiète pas, il t'arrivera. Ah ouais? Oui. Ok, genre. Mmh. Et tu m'as fait super. La route, elle est comme ça. Il n'y a pas de monstres. Moi, si, je suis pour toi, t'inquiète pas, il t'arrivera. Ah ouais? Oui. Ok, genre. Et tu m'as fait super. Mais pourquoi tu fais la comédie comme ça? Non, mais t'es drama, je suis à 2 heures de chez toi. Hey, viens chez moi. Il faut que j'aille à Saint-Tropez. Faut que tu viennes. Ou j'ai un truc à faire dimanche. Eh ben, lundi, tu viens. Viens. Dans une semaine. Dans une semaine. Je rigole même pas avec toi. C'est moi qui rigole pour. Non, tu descends à Marseille, après moi je te remonte, tu descends à Saint-Tropez, moi je te remonte à Marseille dans une semaine. On fait comme ça. On s'en fait halal à Saint-Tropez. Ma vie. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est pas. Pourquoi il y a toujours que moi qui pleure? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu t'en vas? Je m'en vais. Avec les claquettes. Mais ça c'était claquettes de la Guénamouse. Mais pourquoi tu les laisses pas dans la Guénamouse? Ouais, bah, je pense à toi. Oh, c'est vraiment trop triste. À chaque fois qu'ils s'en vont, je pleure. Arrête de pleurer. Même si on va se revoir. Mais je t'aime. Ça y est, en plus, là, je suis à côté. Moi aussi, je t'aime trop. C'était trop bien. C'était trop bien ces 2 jours. Je trouve que ça m'a fait trop du bien. Là, je suis d'attaque pour aller travailler. Je te jure. Pas aller parce que tu y travailles. Mais arrête! Je pleure! Oui, mais maintenant il est à côté. Ça y est, je suis à côté maintenant, on peut se voir tout le temps. C'est à côté. Trop, c'est moi. Arrête, la route, ça va pas être bien, il va être angoissé.